Ouais, salut mes beards, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode sur Watch Dog. Je vais me prendre une voiture d'entrée de jeu. Non, ça va, j'y suis vite. J'espère que vous allez bien. On devait se rendre sur... il fallait qu'on aille voir Damien. Damien, notre ancien acolyte, la personne qui nous a fait faire le premier coup, celle qu'on a vue dans la cinématique principale du jeu. Et il fallait qu'on aille voir ses... quelles infos il avait à nous proposer pour essayer de trouver le deuxième hacker qu'il y avait sur le coup, sur le Merlot en fait. La mission, je sais pas, elle s'appelait le Merlot ou... Donc on s'y rend de ce pas. Donc là vous avez pas pu voir, hein, je commence à enchaîner. Je pense faire deux vidéos par jour à chaque fois, deux vidéos. Je pense que c'est raisonnable. Essayer d'en mettre à des heures intervalles à chaque fois, par exemple du 5h. Puisque je sais qu'en semaine tout le monde travaille, hein, tout le monde travaille ou tout le monde est à l'école. Donc je pense faire ça, ça peut être vraiment fat. Et puis c'est bon, hein, depuis que j'ai réglé mes petits soucis, que j'ai reçu enfin le jeu sur PS4, eh ben, on va pouvoir enchaîner tout ça quoi, tranquillement. Tiens mon petit. Et lui non, je suis rien dans la tête, je vais rien comprendre. Faut que je fasse ça vite. La faiblesse de Damien, c'est sa fierté. Je dois jouer là-dessus. Le convaincre de me dire ce qu'il sait et l'envoyer se faire foutre. Il est trop imprudent, trop dangereux. Où est-ce que t'es ? Je crois que la réponse va pas te plaire. Tu sais quoi ? Laisse tomber. Quoi que tu saches, ça m'intéresse pas. Tu m'as jamais apporté que des emmerdes. On n'a plus rien à se dire. C'est trop tard, Aiden. Tu devineras jamais où je suis. Attends, je vais t'envoyer les images. Trouve une télé et jette un œil. C'est la maison de Nikki. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu devrais te dépêcher, mon garçon. Ta jolie petite sœur a besoin de toi. Damien! Oh, le bâtard. Damien, qu'est-ce que tu fous? Donc, je trouve chez ma soeur. Et lui, non. Reste tranquille, toi. Je te ferai une prise de Krav Maga, tu vas rien comprendre. Intrusion, non, j'ai pas le temps. Quoique, non, c'est bon. j'ai oublié de dire aussi que c'était, je crois, notre mentor, ce fameux Damien. Il nous a appris beaucoup de choses. Donc, faut vite aller retourner chez Nikki. Évidemment, il a tourné lui. Je croyais qu'il allait continuer tout droit, ce chacal. Il s'est foutu de moi. Ce fils de pute m'a manipulé. Qu'est-ce qu'il fout chez Nikki? Non, il peut pas leur faire de mal. S'il les touche, je le tue, il le sait. Oh là là. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de m'attirer là-bas. Il veut m'obliger à travailler avec lui, à retrouver les types qui nous ont attaqués. Il peut crever. Faut que je me débarrasse de lui. Ok, là, il est chaud, hein. Il est vénère, ça parle mal. Je me suis mis une petite gamelle là dans le pont. Je sais pas ce que j'ai fait. Allez, tenez bon, j'arrive. Quelle tragédie. Où est-ce qu'ils sont? Quel gâchis. Tout ça, c'est juste un gros gâchis, ouais. C'est... La vraie tragédie, c'est qu'un type comme toi soit entouré de tant de choses aussi fragiles. Ça te rend vulnérable. Ils sont où? Non, ça marche pas comme ça. Si j'étais toi, je répondrais. Oui. Nikki, où est-ce que t'es? Nikki! Réfléchis deux minutes. Si tu déconnes, elle crève. Écoute, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, voilà, on en est là. Si tu m'avais écouté, ça aurait pu se passer différemment. Dis-moi où ils sont.
où ils sont. Il n'y a que Nicky. Et le gamin... Je sais pas où il est. Voilà ce qui va se passer. Ça va te mener à un disque dur. Je t'ai dit qu'il y avait un autre hacker. Grâce à ça, tu pourras dénicher son ordi. Trouve-le. Et tu sauras qui a mis un contrat sur nous. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est fini, les interrogatoires. Je veux ce disque dur, c'est tout ce que t'as à savoir. C'est le prix à payer pour Nicky. Arrête de réfléchir tout le temps, Aiden. Et tiens-moi informé. En échange, tu pourras parler à ta petite sœur. C'est donnant-donnant, quoi. Tu sais que ça va mal se finir pour toi. Peut-être, mais joue pas au con avec moi. J'en ai rien à foutre de tuer cette fille. Allez, à bientôt, mon copain. Où est Jackson? Damien ne l'a pas trouvé. J'espère qu'il a sa tablette. Là, il est dans le métro. Oh merde, quelqu'un est après lui. Ah, te voilà. Je m'inquiétais. Avec les codes d'EdSec, je peux contrôler la ligne L? Quoi, les trains? Oui, mais... J'en ai besoin tout de suite. Comment je dois faire? C'est verrouillé. Attends, je t'envoie un truc. C'est un exploit de type Zero Day. Les trains reconnaîtront pas le piratage, mais ça marche qu'une fois. Vas-y, envoie. Voilà. Aiden, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps de t'expliquer. Retrouve-moi au motel plus tard, ok? Je vais pas arriver à temps. Il faut que je pirate le train. Jackson pourra alors s'éloigner de ces types. Le gamin est forcément là. Voilà, j'ai gagné du temps. Je peux aller à la station suivante. Tiens bon, Jackson. Le métro se barre, merde! On va le choper à la prochaine station. Go, go! Oh ouais, d'accord, ils sont énervés. De chien. Ouais, c'est passé quoi? Merde, putain de caisse de merde! Oh putain, c'est la merde, c'est la merde. Vite, 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 casse-toi. Écrase-le, vas-y. Bon, déjà, j'ai eu les deux cibles. Me colle au cul, bâtard. Oh là là. C'est quoi ce bordel? Rentre dedans. Bon, des fois, il faut arrêter de fuir. C'est bon, ils m'ont saoulé, hein. Ils m'ont fatigué, c'est con, hein. Oui, joue au con, on a joué au con. Bande de merde. Tu sais, maintenant je suis énervé, je prends les routes en sens interdit et tout, n'importe quoi. M'en fous, je saute, laissez-moi tranquille. Oh putain, faut que je me fasse pas écraser. Des coups, il y a le train. T'as entendu le petit connard? Jackson. Tout va bien maintenant. C'est fini. Écoute, c'est important.
À la maison, est-ce que les messieurs ont dit quelque chose? Parle-moi, Jackson, s'il te plaît. D'accord. On va la trouver, ta maman. Yolanda, bonjour. Ici Aiden Pierce, le frère de Nikki. Tout va bien. J'aimerais vous rencontrer en personne. Je suis dans le train, avec Jackson. Très bien. Vous savez où Nikki le dépose d'habitude ? Oui, je vous y retrouve. Il faut que tu sois courageux, d'accord ? Les messieurs ont dit ça chez toi. C'est bien, Jackson. T'es un chef. Bonjour. Ça va, mon lapin ? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Pierce ? Où est Nikki ? La semaine a été dure. Elle s'est enfin décidée à donner les affaires de Lena. Et je crois qu'elle est en train de faire ses adieux. Ça se passe mal ? Plutôt, oui. Elle devrait m'appeler. Elle voulait justement que je vous appelle. On se demandait si vous pouviez garder Jackson quelques jours. On vous paiera, bien sûr. Oui, pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. C'est très gentil, merci. Nikki doit faire son deuil. C'est dur, je sais, mais c'est nécessaire. C'est pas facile, mais on va s'en sortir. Pas vrai ? Allez, viens, mon grand. On va s'amuser un peu. Viens, on y va. À bientôt. Allez. Monte. Bon, ça au moins c'est fait, le petit Jackson il est en sécurité, du moins j'espère. Bon, on est déjà à l'acte 2, hein. Ça passe super vite l'air de rien. Donc nous, comme d'hab, on va aller prendre une voiture. Vas-y, sors de là. C'est quoi, ça ? Oh putain, j'ai appelé Condé. Quelle est votre urgence ? Envoyez une patrouille de police, ça craint là. Oh putain, il a appelé Condé ce con. Oh mais je suis en plein dans le centre. Oh merde, vite, vite, vite. Oh non, je vais me faire griller. Oh la grillade. Manqué. Oh putain! Oh putain! Ah, c'était obligé, j'allais m'en prendre une. Eh, mais casse-toi! T'es sérieux, frère? Je vois pas que. Faut que j'aille en ville là. Je me sens mal dans une petite. N'importe où. C'est de l'autre côté! Oh merde! Oh, ça va. Ouais, tire. Merde, j'ai pas vu que je pouvais déclencher. Une voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. Où tu vas, toi ? Oh, le bâtard, oh. C'est un truc de malade, on dirait que tout est fait exprès pour que, genre, tu te plantes. Laisse-moi tranquille. C'est ma voiture, elle est défoncée. Résistez, citoyens. Luttez pour défendre votre droit à l'anonymat. Voilà, qu'est-ce que c'est cette voix chelou là ?
Sérieux? Ouais, je mourrais. Je prends une nouvelle voiture là, ça va plus là. On va arrêter de voler des voitures comme ça là, on va essayer d'en prendre. Je pense que ça crée moins si je vole directement une voiture comme ça. Je crois que c'est la mienne. Boîte à gants fouillée, pièce ancienne trouvée ou. Ok, j'ai pas compris. Ça va, tranquille, je t'ai vu, qu'est-ce que tu as? J'aime bien cette vue là, comme ça qu'ils ont mis. Je trouve ça grave stylé. Bien évidemment, en fait, peut-être que sur les jeux de course ou quoi, il y a déjà cette vue intérieure comme ça. Personnellement, je joue pas trop aux jeux de course, donc. Mais franchement, je trouve ça vraiment, vraiment stylé. C'est vraiment. Là, tu es dans l'immersion totale du truc là. Je dirais que tu conduis, que je fais TB. Je trouve ça classe. Ça change un petit peu au lieu de voir tout le temps le véhicule de loin, de près. Ça passe. Ta gueule, pardon. Le mec, ça, il croit qu'il est de. Allez, les klaxons sont pourris par contre, les bruits. Ah, grave, ils sont grave pourris, les bruits. Je trouve ça vraiment classe, franchement. Hein. C'est toi, je suis difficile là où je vais. T'as de l'argent ou pas? Mieux vaut être bien préparé. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Les autorités du centre correctionnel de Chicago ont renforcé leur protocole de sécurité après une récente évasion. D'après nos sources, il semblerait qu'un prisonnier ait réussi à franchir tous les contrôles de sécurité mis en place. Heureusement, très la bon police choix, de Chicago a appréhendé ce prisonnier quelques heures plus tard. John Smith, 34 ans, a été placé en détention provisoire. D'après son avocat, M. Smith serait une erreur sur la personne. Mort de rire, il parle de nous, frère. Eh, hey, maman, je passe à la télé. Donc l'heure, je peux construire un petit peu des grenades. Brandon Docks, mais j'ai pas accès au CTOS là-bas. Faut d'abord que je pirate le centre de contrôle du district. Cassez-vous, vous écrase. Oh, elle a l'air pas mal, ça, la voiture. Oh yeah. Il me demande de me rendre tarpé loin à chaque fois. Oulala là là. Elle a sous le capot celle-là, hein. Le mec il pète un câble quoi. Oulala là 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 là. Excuse-moi mon ré, excuse-moi. Oh calme. Là, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite vue. Je trouve que franchement elle passe plutôt bien. Bon, c'est sûr qu'avec de la musique ça passera encore mieux. Là pour le coup. Qu'est-ce que c'est? Contrat de fixeur? Non. On fera ça tranquillement après le let's play. Ou du moins, peut-être que j'en montrerai un ou deux avant de terminer le let's play. On va raser les murs. J'ai rasé les murs. Enfoiré, qu'est-ce que tu fais sur ma voie? En même temps, je suis tout le temps le pied au plancher, quoi. Il n'y a pas une seconde où. Genre, je me dis pas non, je vais rouler doucement histoire de pas me planter. Non. Je pourrais conduire comme ça en fait. Au lieu de rester appuyé à mort sur la gâchette, c'est vrai que c'est mieux. Puis on arrive à destination, tranquille.
nos prises de tête. Par contre, comment on fait? On peut tourner la tête comme ça? Attendez, je regarde, c'est juste... Ouais, on tourne la tête, mais pas de beaucoup, en fait. D'accord. Je pensais qu'il pouvait tourner la tête, qu'on voyait bien sur le côté. Non, non, en fait, on peut tourner la tête, mais vite fait, quoi. C'est quoi cette musique toute pourrie, là? Je passe, moi aussi. Danger public. Oh, putain, j'ai oublié de tourner. Mort de rire ce jeu quand même. C'est ce que je voulais faire, vous inquiétez pas. Hein. Allez, on enlève cette vision. Donc c'est là qu'il faut que je pirate, ok. Oh putain. Oh putain, les snipers. Oh la 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 la. Elan qui parle. Non, je veux pas tester. Oh, y'a un mec en bas. Oh, oh non, casse d'ici. Ouais, casse-toi d'ici. Allez, salut. Le mec. Alors ok, ça comment ça se présente? Si on prenait le snipe pour regarder, pour rigoler un peu. Alors, un garde par là. Ok, donc je les marque au fur et à mesure. Oui, il marque pas lui. Boom. Pan pan clic boum. Vite. On va pas repérer. Quoi? Normal, et lui il m'avait pas vu. Merde. Il est où le mec? J'avoue. Il est en train de nous aligner. Pire. Je me fais allumer, bordel. Allez, sors ta tête, putain. Le mec au fusil à pompe, il m'a tué de là, quoi. Normal. Allez, Spartaï. On va quand même changer. J'ai quoi moi? J'ai plusieurs guns, non? J'aime bien celui-là. Le bon vieux pompe là, il me fait penser un petit peu au SPA 12. Oh putain. Thank you. Mais je crois que je vais pas vraiment avoir l'utilité de ce pompe. Normalement tu peux le faire discret, hein, mais c'est bon. À chaque fois je rentre dans les camps, genre en mode... On va s'introduire plutôt comme ça. Alors, comment ça se passe ici? Comment est-ce? Merde, pardon. Alors. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Normalement, c'est pas comme ça, c'est comme ça, voilà. Le système de surveillance de Blue espionne la vie privée des gens maintenant. Oh, dur.
C'est quoi ça? Target lost. C'est une poubelle? C'est quoi? Ma foi! C'est un truc de fou! Bon, mais c'est bon. Voilà, c'est fait. Maintenant, je m'occupe de Racine. Voyons ce qu'il sait sur Nikki. On dirait qu'il y a des gains. Racine. Où est-ce que c'est? Voilà, Robert Racine. Ma foi, je comprends pas. Des fois, le son, le personnage, quand il parle, j'ai l'impression que le son, il est doucement. Et là, d'un coup, il vient de parler, j'ai l'impression que le son, il est au taquet, quoi. Donc, munitions de pompe, on s'en fout un petit peu. J'avais mis mon véhicule devant, moi, j'espère qu'il y est encore. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Putain, enfoiré. Pourquoi il l'a tué comme ça? Normal, le mec il a tué, je suis allé, je lui tire une balle dans le dos, fusil à pompe quoi. Mais normal les gars. Oh putain. Je suis désolé. Ou pas. Oui ça va, je vais pas abîmer ta belle voiture. Ta Merco SLK. Bon j'ai pas le choix. Oh putain! Oh les gars, c'est un truc de fou, je suis en train de slider! Oh putain, je sais pas si je vais pouvoir sortir de cette merde. Si ça va. D'après un récent sondage réalisé par WKZ, de nombreuses personnes se déclarent en faveur d'Aiden Pierce, soupçonné d'être le justicier. Certains affirment même qu'ils le protégeraient s'ils en avaient l'occasion. La police de Chicago prévient toutefois que, ce faisant, ils s'exposeraient à des poursuites. Lol, je savais pas ça. En devenant un justicier, en fait, les gens vous aident. Ça peut être cool. Damien a engagé quelqu'un d'ici. Je commence par le proprio, Robert Racine. Après, je passe aux employés. Il faut que je reste calme. Tu m'étonnes. Allez, c'est parti. Mets ton casque, bonhomme. Pourquoi il met pas son casque? Surtout que je me pointe devant la grille, comme ça, normal. Déjà, je vais ouvrir la grille. Mais y a quoi, là? Comme ça, ça c'est fait. Alors, spotter. Faire exploser, y a pas des caméras, t'es pas sérieux? Ascenseur. Genre ils veulent presque te faire avoir de la peine et tout là. Quand tu vois sa vie à lui c'est quoi? Organise le premier anniversaire de son fils. Genre tu as vu genre genre t'as de la peine pour le mec. Est-ce que ça va, tu vas le tuer ou pas? Ok. Ça me fait flipper d'un coup le truc. Ah je vais pas le tuer. Je pense que je vais juste l'assommer. J'ai vraiment eu de la peine en fait. Ok. Ah, y'a un mec là-bas. Scotché. Il avait rien sur lui.
Oh putain, c'est pas un gros ça? Wow, c'est un tank. Ok, faut que je la tire. Genre le mec s'en bat la race complet quoi. Ou s'il y a rien, je peux rien faire du tout. Faudrait que je spotte les deux autres mecs là. Alors ici une caméra, ici un truc pour faire exploser, ça peut être intéressant pour le gros là s'il fait un petit passage. Lui il peut appeler les renforts donc faudrait pas trop que je l'énerve. Genre rapproche-toi. Voilà comme ça. Lui c'est fait. Là, je commence à y aller là, s'ils sont tous en alerte. Allez, c'est parti. On va essayer de se les péter un par un. À moins que même pas. Ouais, ouais, il faut quand même. Ils sont tous partis, c'est bon, Zef, la mission elle est là. Tant mieux, cassez-vous. Rien. L'ordinateur. Je peux m'en servir pour pirater les caméras. Salut Robert. Comment tu vas? T'es en train de me doubler là? Je te l'ai filé la mère Pierce. La femme, oui. Mais j'avais dit pas le gosse. Tu croyais quoi que j'allais te payer plus? Tout ce que t'as fait, c'est compliquer les choses. Il y a un mec qui me suit, c'est toi qui me l'envoie? Non, j'ai envoyé personne. Mais j'aurais peut-être dû te prévenir au sujet d'Aiden. Tu dois m'aider, mec, ou sinon je lui dis tout ce que je sais. C'est exactement pour ça que tu sais rien du tout. Il va pas être content quand il va s'en rendre compte. Putain, merde, je fais quoi? Tu te démerdes, mon pote. Bonne chance. Ouh là 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 là. Fils de pute, tu vas pas t'en tirer comme ça. Oh putain, je me suis fait grave mal. Oh fuck. Fuck, 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 fuck you. Allô? Il faut faire venir quelqu'un là, et vite. J'y vais. Je vais défoncer ce bâtard. C'est bon, il est neutralisé, cet enfoiré là. Ouh, il est pas neutralisé. Non, 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 non! Oh putain, oh putain, recule! Vite, vite, vite! Oh non, je me suis pris un poteau! Oh non, frère, t'es sérieux? Eh, va te faire foutre!
Gros, t'es sérieux, je me suis pris le seul endroit où c'est qu'il y avait 4 piliers, quoi, 4 blocs, n'importe quoi, frère. N'importe quoi, c'est quoi ce délire? Oh, ils sont pas sérieux, frère. N'importe quoi. Va te faire foutre. Oh putain. Allez, déclenche la barrière. Faudrait que je déclenche la barrière avant qu'il sorte. Eh, il a annulé. Ah ouais, d'accord. Mais sinon, c'était trop facile si tu le bloques au départ. Oh, oh, oh. Oh le bâtard! Je te suis, bébé. Quoi? Ok! Genre course-poursuite comme ça et tout, quoi! Oh putain! Ah, mais du coup, il y avait des gains, quel con! Ce con, qu'est-ce qu'il fait? On va lui faire quitter la route. Il a laissé sa bagnole. Au but que je le défonce. Par où il passe? Monte! Pourquoi tu montes pas, Pierce? Monte! Mais pourquoi tu montes pas? Vite, 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 vite! J'ai pas compris pourquoi il est pas monté, ce con. Oh, vite, il y a une bonbonne devant moi là. Mais non, frère, je voulais passer à côté. Ah, j'ai pris le véhicule incontrôlable, quoi. Ça se passe tarpendien l'émission avec Parano. Bon, maintenant qu'ils sont tous à pied, il va falloir que je les sème en 2-2 là. Oh non, je... on arrive, on se sépare et on le trouve. Oh putain de merde. Ça m'énerve. Je tourne en rond, ouais, je tourne en rond, mais le problème c'est que. Faut que je trouve un endroit pour me casser d'ici, quoi. Il faut que je me mette une carte, un endroit, un point, un accès, je sais pas ce que vous voulez, mais. Voilà, il faut que je me casse de là. Je suis revenu à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Cassez-vous! Eh, c'est bon, maintenant je les sème là, c'est bon. Trouvez-le. Voilà. Caché où, cet enfoiré? Ne me cache pas, je t'ai mis un trou, chacal. Il s'est tiré, on le chopera la prochaine fois. Joue pas au con avec moi, Eden. J'ai pas été clair? Si jamais tu touches à Jackson. Un de mes employés a voulu en faire trop. T'inquiète, ton neveu m'intéresse pas. Mais si tu déconnes encore une fois... Ferme-la. Je veux parler à Nikki. Attends un peu. Tu crois que tu peux me demander des trucs? Tu lui parleras quand tu me donneras quelque chose d'utile. Suis cette adresse IP et on se reparle. Là, tu fais juste perdre mon temps. Enfoiré.
Enfoiré! Bon, écoutez. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Je regarde s'il n'y a pas une petite interaction avec un perso ou pas. Damien me connaît par cœur. Il sait parfaitement comment je réagis. Ça doit faire un bout de temps qu'il organise tout ça. Mais il faut toujours qu'il aille trop loin. Il fera du mal à Nicky s'il obtient pas ce qu'il veut. Ok, pour l'instant, je vais jouer son sale jeu. Je vais suivre son adresse IP. Mais je trouverai un moyen de me le faire. Ok, donc quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on se tape Damien à un moment ou un autre. Je vais enlever le marqueur qui me sert strictement à rien. Et moi, il va falloir que je retourne... Collatéral, trajet rapide. Tu peux directement y aller? Ouais, mais non. C'est rigolo de conduire et de se planter partout. Genre délire parano, quoi. Alors, j'ai combien? J'ai 3 points. Je vais pas aller loin avec 3 points. Mais je pourrais améliorer ma batterie. C'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai une barre en plus. Ça peut me sauver, je pense. On verra par la suite. Ah, ça, c'est 4 points, ça. Intéressant. Donc écoutez les oiseaux, moi je vais vous laisser ici. C'est vrai qu'il y a pas mal de branches qu'il faudrait que j'augmente. J'ai vraiment beaucoup augmenté le piratage. En même temps, ça va de soi, hein. Expert en fusil à précision, nanana, ok. Peut-être ça peut être cool. Ah oui, ça peut être vraiment très très cool ça même. Un rechargement rapide, quoi. Oh, ouais. Ah ouais, mais le mec, tu deviens un tank, quoi, le truc. Le mec se prend des explosions, même pas il bouge. Mort de rire. Bon, écoutez, les oiseaux, merci d'avoir regardé ce 5e épisode sur Watch Dogs. Je vous dis à très très bientôt. C'était Parano. Allez, peace! Fanboys potés.